On est S'ils tirent des d'accord? premiers, on les déglingue. Sinon, tomaton oral et t'es tout. Mais tu ne tires pas même pour une tomaton. Tu ne tires sous aucun prétexte. Ah, on est Ok, d'accord. très bien. T'en fais pas. Je suis pas suicidaire, hein. Pardonne. Ok, Rick, t'es quoi votre numéro là? Ah, 86. Ok, 88, vous nous suivez de loin là? On est sur l'autoroute de freeway, direct au nord. Allez, reçu, 10-4. Vous en êtes où exactement là? Ah, je suis pas loin derrière vous, là je commence à ralentir, je vous vois. Ok, 10-4, Vous devriez excellent. ralentir une fois qu'on approche à environ 1 km avec les guetteurs, Oui, on sait jamais. ben dos, vous avez raison, vous inquiétez pas. Ralentis, Rick, hein. On y va doucement à partir de maintenant là. Je 10-4. prends mes précautions là. Vous pensez à quel angle d'attaque là, tout le traitement là, si on les voit là? Depuis le sud. Très bien. Ouais, la butte, parfait. Soit face à la maison. Ouais, vous avez raison. Étant sûrement plus nombreux que nous, hein. Ça veut dire que si jamais vous êtes à portée du tateur et qu'on est déjà engagé en combat, hein, je m'en fous, hein. Vous tirez pour tout, hein. Hors de question de risquer votre vie. Hein. Par le tout, ça va être tendu, non? Ça veut dire là, on doit passer par où là? On va devoir aller Ouais, à l'ouest. t'aurais dû tourner avant, hein, mais Oh continue, là continue, là. continue. Ok. A few moments later. Bon, par contre, s'il y en a un de lui mettre mon canon devant la tête et te lui dit ne boude pas, tu ne roules pas, et que le mec il Comment commence à dire? démarrer ton moteur là, Ah. moi de. Ouais, ça va mal aller pour lui. Hein. Ok, Rick, vous restez à 2 km de périmètre. Hein. Ouais, discap. Ne vous faites pas voir. On se met à l'étage. Ouais, discap. On peut se mettre dans un buisson assis. Ah, madame, c'est pas pour. Hein. Devenez une couverture solide. Et après, de faire des décales. Ah, ils sont bas, hein. Je vais arriver à l'étage. Ok, arrête. Oui, les toilettes déjà. On peut La se cacher galère avec là. le pont, ça nous a un petit peu fait voir, à mon avis, mais on verra bien. Ah ouais, tu penses que t'es compromis là? En fait, je sais pas s'ils m'ont vu arriver de loin, sachant que je suis arrivé très vite avec la voiture que j'avais. Et à ce moment-là, c'est lié à en fait qu'ils aient un guetteur côté sud. À ce moment-là, c'est possible qu'ils nous aient aussi déjà vus. Ou alors, c'est simplement que je les ai croisés coup de bol et qu'ils étaient en train de partir à ce moment-là. Ok, trouvons une planque là, tu es caté où là? Côté sud-ouest, étage. Je suis là, dans la pièce que vous venez de voir. Ouais, de ta de ta. Putain, j'ai pas des bons points de vue là. Posez-vous et bougez plus qu'on ne vous entend plus. Ah ouais, je trouve pas un bon point de vue. La salle devant est un peu pourrie, ça vous. Bon, c'est safe, on lui voit arriver. Ok, d'un bon endroit là. Ok, on attend 20 minutes, s'il y a que dalle, on remballe. Ouais, discap. Ouais, discap. Dès qu'il y a une voiture qui approche ou quoi que ce soit là, direct rigged, de te dire tu viens direct et tu fontes. Tu fontes en code 2, hein, pas code 3, hein. Tu t'es la différente ou pas? Ouais, le code 2 déjà installé, sergent. Ok, D4. S'ils sont trop nombreux, on bouge pas, par contre, hein, sergent. Enfin, Ah, te ça dire. m'étonnerait qu'ils ne surveillent pas l'état. Non, mais s'ils sont trop nombreux, on a plusieurs moyens de s'en aller, quoi. Depuis l'étage, c'était sûr en T'es bas quoi trop de nombreux côté. pour toi, hein? Moi, des têtes cartoutes, hein, dans mon tardeur. Hein. Ouais, j'en ai 18, mais faut quand même pas exagérer, quoi. L'avantage, ils sont tout autour de nous, t'es qu'on peut tirer dans toutes les directions, hein, proverbe tinois. Comme quoi, ils ont pas que des bons proverbes. Moi, je dirais rien premier jour. Il fait nuit, t'es tendu. Hein. Parce que nous, on a de la lumière et tout, mais eux, non, quoi. Du coup, si on doit engager un combat, là, ils t'auront avantagé. Hein. C'est vous qui prenez la décision, sergent, c'est pas moi. Donc si vous voulez qu'on parce que tu veux qu'on parte, on part. Non, arrête, t'es faux, quoi. Mais fais attention, quoi.
Sois prudent. Mode ne t'es pas prêté, hein. Mode t'es heureux. On n'y va pas, hein. On n'y va pas, t'es de la merde. Hein. Bouscade. Eh, toute la soirée, y a jamais eu un seul braquade. Et là, tu vois des voitures qui font du trafic de cocaïne, là, et comme par hasard, y a un braquade. Tenez-vous prêts, hein. Tu vois la technique du biton, là, t'aurais été mieux la nuit, là, que la maison, là, tu vois. Tu viens d'y penter, hein. Mais t'es trop Ok, j'ai tard, t'es à trois voitures l'intérieur. sur moi. Ok? Comment t'as trois voitures sur toi, là? J'ai trois Audi TT qui me poursuivent. Ils me tirent dessus. What the On fuck? sort, sergent, on va l'aider. Ouais, on va l'aider, ouais. Tu es où exactement, là? Il répond plus. Ok, je me dirige vers l'autoroute, tant pis pour notre bagnole, on en récupère une autre. Non, mais pourquoi il répond plus, là? Ok, va bah, déco. Ouais, j'ai verrouillé ma petite caisse. Ok, D4, on arrive, tiens bon. Gagne du temps là, vas-y. Essaye de parler en radio discrètement pour nous donner des détails si t'es pas loin du truc de. Gagne du temps là, tu as fait tomber un truc par terre. Tu es un peu débile, tu es un peu débile, tu es maladroit là. Gagne du temps. Allez, sortez de là, là. Allez, t'as des gars de la vermine. Véhicule de merde. Ah, évidemment, j'ai le véhicule le plus lent de l'histoire de l'humanité. Même ôté, putain, putain de merde. Briggs, Ferex. Eddington, il sait pas conduire. Ah, les gars, j'ai la crème du LSPD sous mes ordres. Ah, bien sûr, il est plus là, quoi. Ils ont dû lui enlever la radio, en faut sûr. Est-ce qu'ils ont continué tout droit, j'en doute. Ils ont dû partir ailleurs. Ah, y a rien de tout été, hein. À mon avis, ils ont dû partir côté Tud. Ouais, 10-4, je récupère un autre véhicule. Ouais. Voilà. J'ai récupéré une Audi R8. Ok, D4. De récupérer une autre poubelle. On est arrivé trop tard, mais de pente qui tombe pas non plus très très loin. Côté okay, Tud, de rien vu. J'ai la voiture, ils sont peut-être pas partis. Là. Ils ont dû partir de l'autre côté. Parce que j'ai la voiture, elle est côté sud. Oh, sois à côté de moi, tranquille. T'es où là? Devant moi, sur la direction sud-ouest, j'ai une R8 grise avec un homme masqué à l'intérieur. Mais te vois pas où tu es, moi. Joshua Road. Ok, direct ton wet. Direct ton wet ou pas? Tu es ouest. Directo. Ouest. Ok, D4. Oh, mais c'est quoi ça? Sors les mains en l'air. C'est quoi cette voiture de merde que j'ai? Ok, il veut pas s'arrêter, la deux pneus crevés. Ok, tout en wet, toi road. Ouais, il est parti sur Marina Drive, la route de terre, je le poursuis. D4. C'est Marina Drive. Il est où ce con? Et là-bas. J'ai une voiture de merde, putain! 10 ans à avancer, quoi. Putain, je l'ai bien perdu, ce con, est-ce qu'il est parti? Direct en tout avec Ouais, direct en sud-ouest, quoi. Je ouais, sais pas ok. où il est parti. J'ai fait un tour sur moi-même avec cette putain de bagnole. Garde ton temps froid là. Garde ton temps froid là. Headshot. Allez, tu me tires dessus, ça dégage. T'as cru que c'était qui là? Il y a un mec qui m'a tiré de tout, une balle dans la tête direct, hein. Ah merde, c'est Eddington! Mais pourquoi il tire dessus? Mais non! Et tech, mettons! Mais pourquoi il me tire dessus, ce con? Mais pourquoi il me tire dessus? Mais d'où il me tire dessus? Moi, mec, il me tire dessus, j'ai mis une balle dans la tête direct, quoi! Putain! Mais pourquoi il me tire dessus? Mais quel génie, quoi! Putain! Mais c'est pas possible! Moi, mec, il me tire dessus, je lui colle une balle. T'es un bon Reddington. T'appelles le médotin qui n'est pas en terre vite. Bon, vu que je suis solo, je peux pas aller à la recherche des mecs. Hein. C'est la catastrophe. Bon, rapport, je mettrai pas que je mets une balle dans la tête à Reddington. Hein. On va faire comme si c'est un passé, vu qu'il est dans le coma, il se souviendra de rien, donc je suis tranquille. Là où on est tranquille. Par contre...
Il y a un truc quand même qui est important, c'est que... Pourquoi il me tire dessus, quoi? Moi, il y a un mec qui me tire dessus, je mets une balle dans la tête direct. Ah mais, ouais, tu es là, là. Ouais. Mais mec, tu me tires dessus, moi je te fais coller un headshot direct, pourquoi t'as fait ça? Je t'ai pas tiré dessus, tu me rentres dedans, je dis putain, c'est encore un des autres qui vient me prendre et t'as le même 4x4 qu'il avait sauf qu'il est rouge. Putain. Donc j'ai mis une balle dans le pneu et tu m'as pas dit c'est quoi que t'avais comme véhicule, je commence oh à faire là là. C'est chaud ta balle tête par contre. Hein. Bah, tu me connais, hein, je te l'ai dit. Hein. Non mais ouais, mais c'est un peu chaud quoi. Bah, je suis désolé, tu m'en veux pas, je suis désolé. Ah, c'est un peu con quoi, ouais, c'est pas grave. Bon, du coup, vu que t'es en coma, tu t'en rappelleras pas, mais c'est échec mission. Vas-y, je. Je suis désolé. En fait, j'ai vu une voiture sportive, je me suis dit, vas-y, je vais la voler, je pourrais aller plus vite, j'en ai marre de ma poubelle. Je pensais pas que t'étais. Bah, je pensais pas que c'était toi en fait. Je t'ai dit, j'étais en 2 dire 8 noir. Je sais pas quelle cool. Ouais, mais moi, je connais pas les véhicules. Hein. Je connais les flingues, mais les voitures, je connais pas. Du coup, je me suis dit, vas-y, je la vole. Et je vois, tu me tires dessus. Je me suis dit, c'est quoi ce mec qui me tire dessus? Direct headshot quoi, tu vois. Et après, je vois, c'était toi, j'étais deg, je suis désolé. Je crois que je vais rejoindre les pêcheurs. Bon, je vais te chercher à l'hôpital, là. Vas-y. Go switch. Putain! Voilà. Reddington, tu as un potéto oui, thé. Hein. La morphine! Te viens te taire, taire. Ne t'inquiète pas, tout te pâte bien. Devait te ramener. Oh, un criminel avec une cagoule là. T'es pas criminel. Je suis dit là. T'es ta collègue, t'es ta collègue. T'es ta collègue à notre PD. Regarde, je te montre mon bad. Regarde, t'es moi, t'es Ting Ting Tang. T'es le fier dragon de la route. Balle dans la tête, vermine éliminée là. Bah, t'es viens de te ramener. Ah bon, mais en parlant de balle dans la tête, il paraît que j'ai eu une balle qui m'a écorché le crâne. Si m'a dit le docteur. Ah, tout est. Si m'est arrivé. On était en opératon contre des trafiquants de cocaïne. Malheureusement, durant la courte poursuite. Ah ouais, ils t'ont touté, hein. T'es à l'opar. Ah, des faits que des jeux, mais tu as eu un accident de voiture. Oh là là, quel galère. Riggs, il va bien. Riggs, te donnait pas de nouvelles. Hein. T'attends une revendication. Mais dès que tu arrives au commissariat là, dès que tu te sens mieux là, tu vas partir à ta retraite avec moi. Tu peux m'amener. Attends, j'ai besoin de récupérer de l'argent. Pour acheter mon matériel. Ok. J'ai un flingue à 45 000 à acheter. Oh là là, mais tu me toules avec ton truc là. Mais t'es pas réglementaire, pourquoi tu as besoin de ça en plus là? C'est mon arme. Oh le minou, il y a un chat. Et tu parles de ta comme si c'était le seul minou que tu es venu de taper. Tu te tiens la porte. Voilà. Oh. Eh, de te taquine. Oh, j'espère que tout va bien, tu m'as très fortement inquiété. Hein. Oh, il faut que tu me laisses au conduire. Oui, mais si, pas ma faute, si j'ai la morphine. Par contre, le cadet là, Rick, t'as le matos là. Les mecs, ils l'ont peut-être, tournant. Ils l'ont topé à 3 voitures là, apparemment. Ils l'ont kidnappé quoi. Mais il faut qu'on aille le retrouver là. Bah ouais, t'es bien là. Vas-y, tu te mets tout près. Amène-moi au commissaire, je veux des merdes, je suis un grand garçon. Ok, mais bon. Mais va me trouver, Rick, Mais tu vas pas y aller tout seul là, tu vas pas affronter tout un gang tout seul. C'est moi aussi qui va me retrouver kidnappé là, on fait quoi là? Peut-être qu'ils ont des revendicateurs, t'es en train. C'est qui m'a tiré dessus? Moi je vais le choper, je vais le tuer moi. Ah, t'as bien raison, hein. T'es de la vermine là. Ouais, je dis. Ouais, tu veux rentrer à. T'es bon là, tu vas t'entorter. Ok, tu es le meilleur. Ok, tu es où là? Je suis à l'armurerie. Ok, décale. Je vais repartir au nord. Ouais, mais moi, je devais pas le tarter toute la nuit là. Il est tard, hein. Moi, je suis fatigué, tu sais, moi. Enfin, c'est notre collègue, il a été pris en otage sûrement, quand même. Ouais, enfin, il est nouveau, t'as fait une tournée, puis t'es un matou en plus. Je le connais donc, ok, bah, des décates. Devais tarter. Tu connais un coin au nord ou pas, idolé là, où il y aurait peut-être. Moyen de dérer une prise d'otage. La Thierry. Non, la Thierry, t'es trop évident. T'es marqué sur le DPET et tout. Il doit y avoir un truc autre, tu vois. Mon chiade. Ouais, elle dit est pantée, moi, tu vois.
peut-être. T'es potable. Moi, t'es détenu une terroriste, dirait midonnée dans un coin, tu vois, éloigné, ou de peut voir à longue distance tout ce qui peut arriver. Je vais voir si je peux pas récupérer un hélicoptère au niveau du. D4. Eh, t'as te trouve, tu vois, ils peuvent aller n'importe où, les mecs, hein. Ils peuvent aller même dans la mer et tout, hein. Ok, Renekton, tu as des nouvelles pour moi, là? 10-5. Défait la Thierry, R.A.T. Hein. Défait tout le train et tout, Thierry, R.A.T. Hein. Et de te monter au sommet d'une plus grosse montagne à côté du Montiliad, R.A.T. Y'a pas un bar ou un truc ou d'autres pas, là? En plus, quelle valeur il a rigged, il est qu'au cadet, y'a aucun intérêt de le kidnapper, il ne tait rien du tout, J'ai aucune idée. Nous foutre la pression, c'est tout, et tout ce qu'ils vont avoir comme résultat, c'est qu'on va être trois fois plus méchant. T'es pas le moment de me faire taire là. Il doit avoir beaucoup à protéger, quoi. Ouais, peut-être. Putain, pour le retrouver, c'est la misère. Oh putain, devait checker la bouterie là, le truc pourri là, l'usine avec les viandes là, l'abattoir là. L'usine de poulet. Ouais. Arrêt, Poyo Termanot là. Proche de la ville, je te prends. Ouais, t'es très bizarre, toi. Ah, je sais pas, je vais cuisiner. Hein. De toute façon, le numéro, c'est, il nous a été signalé comme étant Mabaka Gros Désir, donc on est bon. Ok, écoute-moi, toi. Tu me fais le numéro là avec lequel tu es en contact, là. Tout de suite. C'est un inconnu, je peux pas, c'est inconnu. Ok, tu leur dis de me contacter, tu as mon numéro de téléphone. Mais attendez, je dois vous le dire. Tu te tais, tu fais de que te dire, là. Oui, raconte-toi, t'es maître. Ils vont perdre un doigt. Oui, bon, on t'en fout, écoute-moi, là. Tu leur dis de me contacter au tink 82 50, tout de suite. Pourquoi qu'ils veulent lui couper un doigt là? On n'a rien fait d'autre pétale là. Non, si vous avez pas d'argent, ils vont déjà lui couper un doigt à minuit. Oui bah, attendez, tu crois qu'on peut rattembler une telle tome comme ça en claquant des doigts là? Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est ça. Oui bah, de tout d'accord. C'est pour ça que tu t'es demandé de leur envoyer mon numéro. Comme toi, c'est moi qui leur dirai à eux, tu vois, pas d'un homme. Ouais, désolé, j'ai un peu peur, j'ai un petit tremblement de terre de mon côté. Pardon, du coup, c'est quoi les nouvelles? Il a transmis l'info et il est en train de me dire que le temps passe. C'est ce qu'il me dit. Ok. Ouais, le temps passe, ouais. Ok, du coup, de lui demander de leur donner mon numéro de téléphone, là, pour qu'ils puissent me contacter directement, là, pour qu'on puisse négocier, là. Ok. Ouais, le temps passe, ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est mon putain de pied dans leur cul. Eh, tu as beau sortir 50 ou 20, ça te fera pas, hein. T'es les mecs qui nous volent 300 000, t'es ta mère, on leur donne pas 300 000, ils vont lui couper la main, le Didi... Eh bah déjà, je leur donne 100 000, là, tu leur donnes un chiffre à moins de... Tu leur donnes à autre chose que 6 chiffres, ils vont gueuler déjà, je pense. Ce n'est pas à nous de payer de notre pote, en fait, t'as que tu comprends pas, hein. Oh, t'as raison, laissons-le crever, on a rien à faire. Non, mais de tout d'accord avec toi. Protéger et servir, sergent. Ouais, docteur. T'as tout mort réfléchi. Bon, bah, on sera remboursé, on s'en fout de l'argent. C'est la vie d'un collègue, on s'en fout qu'il soit nouveau. Je sors 50 000, on fait 100 000 et on devient un... Attends, tu n'as que 50 000 de disponible? Bah, mon total c'est 90 000, mais j'ai pas donné tout, hein, et je pense pas que tu sois aussi riche que... Eh, pour t'aider, t'es riche, t'es pas beaucoup plus riche. Tu vas tout donner. Fous de ma gueule, là. Bah, attends, tu prends 20 000, après tu me dis ça? Bah, t'en pas, tu dis que tu as 90 000. Je crois que c'est le moment de faire jouer à ça, Chang. Mais de ne doute pas, mais tu me dis que tu protèges et tu terres et tu veux donner que pas beaucoup là. Comment te pas là? Je dis juste qu'il faudrait qu'on sorte 100 000 à deux, c'est tout. Tu veux sortir 20 000, okay. On a plus que 70 000. Écoute-moi, je sors le reste, hein, si tu veux jouer. Tu te calmes pas de dit corde entre nous là, ce n'est pas le moment là. Calme-toi là. Bah, je suis ton propre conseil. Oublie pas que tu peux gagner le jeu de ton choix grâce au giveaway de Princess Spoons. Le lien est dans la description. Jette un œil, c'est gratuit.